En parallèle du traditionnel guoka, il existe en Guadeloupe une musique sophistiquée, tant dans le son que dans les textes, qui fait l'unanimité depuis une dizaine d'années, le son tracé. Bon courage à nous à demain. Guadeloupéen, bon courage, nous kenions l'endemain meilleur. Une musique qui délaisse l'autoroute du Zouk pour emprunter les chemins de traverse. Le mot trace en créole désigne un sentier. Le quatuor qu'acoustique est le porte-drapeau de cette pacifique révolution. On peut déceler dans le son tracé du boléro cubain et du choro brésilien avec une richesse percussive qui lui donne sa saveur unique. Guidé par la volonté d'amener les percussions de Guadeloupe vers d'autres sommets, le groupe privilégie la polyrythmie et le chanté créole pour parvenir à une alchimie explosive sur scène entre les trois éléments que sont les voix, les cordes et les peaux. Avec un leader tel que Jean-Marc Ferdinand, il faudra pousser les murs de Prévert car la température va monter. C'est spiritualité qui fait nous vendre.